pour expliquer un sport, c'est le défi lancé aux plus grands athlètes de la planète. Mais ils n'étaient pas dispo. Alors on va faire avec eux. Hein? On va voir. Le judo, littéralement voix de la souplesse en japonais, est un art martial où le respect de l'adversaire est... Oh non, mais c'était bien parti pour une fois. Mais non, stop! Interdiction de taper! Pour vaincre son adversaire, le mieux, c'est de lui faire un hippon. On la grippe et on le retourne comme une crêpe sur le dos. Si ça claque bien fort, ça donne hippon. L'arbitre lève le bras et le combat est gagné. Ouais, presque. Faut juste agripper le kimono, pas les oreilles. Si l'impact est mou, c'est un waza-hari. Et deux waza-hari dans un combat, ça donne hippon. Alors si on n'arrive pas à retourner son adversaire comme une crêpe, on peut le vaincre en l'immobilisant au sol. 15 secondes, c'est waza-hari. Et 20 secondes, c'est hippon. Démonstration. Non, pas autorisé. Dernière solution pour gagner par hippon, faire une clé de bras ou un étranglement. Voilà, parfait. Pour abandonner le combat, votre adversaire doit taper 3 fois du pas de la main sur le tatami ou sur vous. Non, jamais au visage. Et juste 3 petites tapes, hein, ça suffit. Alors, non. Oula, attendez. Vous n'avez pas tout à fait saisi la philosophie du judo.